Après ça, les Russes ont vraiment commencé à nous mettre la pression. On est parti vers le nord pour rejoindre Aguayer. Et on a bien failli réussir. Ce truc paye vraiment pas de mine, hein? Ouais, faut pas se fier aux apparences! Rappelez-vous la fameuse histoire du cheval de Troie! Moi j'ai vu que le 1. Troie! L'Iliade! Sacré bouquin! Quoi qu'il en soit, on doit rapporter ça à Aguayer au plus vite. Je sais pas. Ce type m'inspire pas confiance. Dis, t'as trouvé quelque chose sur lui dans le terminal? Pas vraiment! C'est un vrai fantôme! On nous attaque! C'est un diable! Je vais me poser, les gars! Arrête, merde! C'est pas le moment de jouer les héros! Allez-y! Sautez tous! Ça ira! Marlowe, en position, là. Unité en approche. Une minute, peut-être moins. Y a plus que toi et moi, on dirait. Allez, c'est parti, au boulot. Un groupe sort de la forêt, à gauche de la route. Surveille bien la gauche, j'en vois d'autres arriver! Infanterie à droite de la route, c'est reparti! Couvre-moi!
Planque-toi, mec. Sniper dans les arbres. Sacré tireur! Renfort ennemi! C'est bon, c'est juste un blindé et quatre soldats, pas de problème! Voilà, fini. Voyons où est partie cette unité. Bravo 2, ici Bravo 2 Alpha, vous me recevez? Sergent? Sergent? Ici, ici Sweetwater, je suis avec vous. Ok, Marlon. Je répète. Ici Bravo 2 Alpha, vous me recevez, Bravo 2? Sergent! C'est pas vrai, pourquoi c'est toujours quand ça merde le plus que l'équipe est coupée en deux? Vraiment pas de bol, nous. Peut-être que Finn a raison. Nous aussi, Marlon, allons-y. Ouais, on l'a. Mais notre pilote s'est fait capturer, on peut pas l'abandonner. Bravo 2, soyez pas idiots. Il nous faut absolument ce mélange. On enverra avec notre équipe extraire le pilote. Le mélange? Comment vous savez que c'est un mélange? Vous disiez pas savoir ce que ce navire transportait. Ça suffit, rapportez-moi ce cylindre. On n'a pas de temps à perdre en mission de sauvetage à la noix. Vous avez les coordonnées. Faites votre boulot. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Merde, mais dites quelque chose! Eh merde, tu vas pour vous? Mais moi, je crois bien qu'il est grand temps d'aller aider notre hippie coco gauchiste préféré. Agarde, pour une fois, je suis entièrement d'accord. Alors, on sait où ils ont emmené Flynn? Pas exactement Agarde, mais on va le retrouver. T'en fais pas.
Je croyais que t'étais un pacifiste. Tu sais, même Bouddha devait se mettre en rogne de temps en temps. Oh. Salut. Ah, viens. Ok, je vois que tout roule, les gars. Oh. Avant que j'oublie. Ouah. Alors là, un vrai don du ciel. Qui va te filer le cancer. Bon, c'est quoi votre plan pour sortir d'ici? Il y a une base, un peu plus bas. Elle était pleine d'hélicos, alors... Parfait. Alors, en route. Regardez, des quads. Oh, Flynn, t'es en état de conduire? Ouais, ça ira. Les hélicos sont pas loin. Allez, on fait la course. Premier arrivé, à gagner. Les sergents, un seconde. Fils de... Hey, c'est ta sœur qui t'a appris à conduire, hein, Sweet? Donc tu te rattrapes, ma garde! Si c'était des motoneiges, tu n'aurais aucune chance! C'est pas des motoneiges. Les motoneiges, c'est pour les chouineuses. Restez cool, les mecs. La colère, c'est sûr, provoque toujours des accidents. Ah, ça va être la faute du moteur? Et voilà le travail, tu vois, Sweet? Tu vois comme je suis surpuissant quand il s'agit de faire la course? Voilà la base. Tout en modestie, aller jusqu'au terrain d'atterrissage. On y va! Ok, bon travail. Terrain d'atterrissage. On y va. Thank you.
Mantenga la posición. Asegúrense de que no van al lado izquierdo. ¡Vamos adelante! Montez dans l'hélico et arrosez-moi ces types. Allez, montez, montez, montez! C'est bon, on a réussi! On va! Aquire vient de contacter. Il est à 80 bornes au nord. Ok! Marlow, occupe-toi de nos poursuivants! Si tu continues comme ça, c'est gagné. Ou pas. Accrochez-vous, je vais nous tirer.
sont des lance-missiles. Et alors? Fais-les avant qu'ils aient le temps de tirer, c'est tout. Alors, Flynn, t'es plus pacifiste ou quoi? Disons que mon fils est lourd, je me risque que ça m'a pas mal volé les idées. Voilà votre jouet. Maintenant, expliquez-vous. Ouais, voilà. C'était un imposteur ? Oh non, notre ami était un vrai patriote. Il m'a mis des bâtons dans les roues pendant des années, vous voyez ? Mais c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont menti. Qui ? Qui vous a menti ? Qui m'a menti ? Oui. Quelle importance? Parce que j'ai fait des recherches sur vous, sans rien trouver d'intéressant. Jusqu'à ce que je vous voie disjoncter en entendant le nom de Thomas Wyatt. Il avait un fils, James, qui aurait à peu près votre âge. Arrêtez-moi si je me trompe. Thomas Wyatt était votre père. Quand vous avez découvert que ses supérieurs l'avaient trahi, tout a basculé. C'est le gouvernement qui vous a menti, n'est-ce pas? Je leur avais tout pardonné. Et puis, j'ai entendu dire qu'ils étaient au courant. Pour l'arme. Voilà pourquoi ce pays doit être anéanti. Espèce de taré, vous détruiriez un pays entier par simple vengeance? Moi? Non. Mais lui, si. Effectivement. Ici,
Tanner, on dirait que les négociations ont un peu capoté, non? Mon karma est au beau fixe. Vous en faites pas pour moi, le monde a besoin de vous. Hé, hey, Agar! Encore merci pour les clopes.